Deux poissons dans l'eau virent un gros sac plastique au-dessus de leur nageoire. Un gros filet descendit et attrapa les deux poissons avec un de leurs amis le requin. Ils s'échappèrent par un grand trou, mais virent leur ami le requin se faire attraper et se faire couper les ronds, puis se faire rejeter par-dessus bord. Pendant ce temps-là, les hommes mangent tranquillement du poisson et ne se doutent de rien, quand soudainement, le téléphone de cette famille sonne. Bonsoir mon ami, que fais-tu? Je dîne avec ma famille. Et que manges-tu? Du poisson. Oh là là, hier encore, tu mangeais du poisson, tu n'en as pas marre? En plus de cela, les poissons sont en voie de disparition. Si nous continuons comme ça, dans 25 ans, il n'y aura plus rien. Mais comment tu sais tout ça? Tu as oublié, je travaille chez Bloom. Avec mes collègues, nous essayons de défendre les poissons et d'en manger moins. Mais malheureusement, il y a des gens qui n'y prêtent pas d'attention. Comment peut-on faire? Il faudrait essayer de sensibiliser les gens et de leur faire comprendre que les poissons ont aussi des vies. Mon ami, je ne sais que faire, nous n'avons plus nos merveilles de la mer. Je sais bien, mais nous ne pouvons rien faire tout seuls. Au contraire, si on allait voir Bloom, tous ensemble, pour les aider à sauver les poissons et les merveilles de la mer.